Bonjour à tous, c'est Narva, bienvenue à la suite des aventures de Nogiri dans Skyrim. Donc, je suis actuellement à Faez, en compagnie de Mjolnir, qui est en armure elfique. Et donc, bon, la dernière fois, j'étais resté là, donc à Faez. Donc, avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui me laissent des commentaires, tous ceux qui se sont abonnés sur mon compte à YouTube, quoi, pour voir la suite de ces aventures. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'essaie de faire de mon mieux pour essayer de faire des trucs à peu près bien et intéressant, mais bon. Je suis déjà content de voir que j'en ai aidé un ou deux. Deux, je crois. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. À se débloquer lors d'une quête. Donc, moi j'étais bloqué à une quête, justement. C'était la quête de la guilde des voleurs, parce que je suis censé devenir maître de la guilde. Sauf que Brynjolf, je n'arrive pas à le faire venir dans la guilde et me permettre de continuer cette quête Si vous faites la manche, c'est à mon et mari d'être que je vais enfin vous le adresser. maître de la guilde. Mais bon, que cela ne tienne, c'est pas bien grave. Maître de la guilde, je devais peut-être avoir des acolytes, mais bon, je m'en fiche, je m'améliorerai tout seul à l'arc. À force de l'utiliser. Et donc voilà. Alors récemment je m'occupais de la quête des pierres de Berezia. Or il m'en manque qu'une. Et le mode que j'ai me dit pas où elle est en fait. Mais je sais qu'elle se trouve dans la châtellerie d'Épervine. Falkric. Ouais c'est Épervine. Donc elle se trouve quelque part par là. Mais elle se trouve dans le. J'adore cet air froid. Je le trouve grisant. Donc la C'est pierre de peut-être à cause de Berenzac, mon sang oh nordique, ça va. mais son souffle me vivifie. D'accord, c'est bien. Donc je disais que cette quête, je ne pourrais l'obtenir. Cette quête. Ah mais j'ai des petits trucs de voleur à faire ici. Je ne pourrais obtenir cette pierre de Berenzac uniquement. Ah c'est en bas. Uniquement. Si je fais partie, je l'obtiendrai uniquement en faisant partie de la guilde des assassins. Sauf que la guilde des assassins, on n'est pas obligé d'en faire partie. Il y a deux façons de faire. Mais pour la contacter, il fallait que je tue Greylod. Donc ça, j'ai déjà fait. Il fallait que j'aille voir Aventus Aretino pour tuer Greylod. Donc ça, c'est déjà fait. J'ai plus qu'à me rendre à personne. Hein. Là. Voir Aventus Aretino et lui dire c'est bon je l'ai fait. Et ensuite la confrérie des assassins là, je sais plus comment c'est, la confrérie noire, voilà, tout simplement. Comment je me relève hein? Je me rappelle plus. Merde. Oui, ah, d'accord. Hop. Achetez les armures de Galka. Protection assurée. Donc il est où l'autre? J'ai deux vols à faire dans cette ville, je sais. Donc je viens d'en faire un. Oula. Par contre, j'ai un petit souci avec ma souris. Hop là. Pardon. Mieux. Donc, j'ai terminé les deux petites quêtes de voleurs que j'ai dans cette ville. Donc, je suis par là. Et comme ça, la prochaine fois que je reviendrai avec ma pierre de Berencia, je pourrai directement aller à la guilde. Bon, il est où ce putain de truc là? J'arrive pas à repérer par rapport au local. Non, ça c'est la sortie, d'accord. Faut que j'aille rapporter l'objet volé et à la prison, d'accord. Faut que j'aille à la prison. Donc voilà, donc là je fais deux petites quêtes de voleurs. Et ensuite je vais aller m'occuper de découvrir un petit peu Falkric. C'est pas le château ça. Le château il est là. Et la prison elle est à droite. Voilà. Voilà. Prison de Falaise. Falaise. Donc voilà, je fais ces deux petites quêtes de voleurs et en suivant je m'occupe d'aller dire à Ventus Aretino que c'est bon j'ai tué Greylod. Comme ça la confrérie noire va me contacter.
et je pourrais enfin trouver leur comment dire, je vais dire leur entre, oui leur entre, après tout le siège de leur guilde. Laissez-moi deviner, quelqu'un vous a volé votre pâtisserie. Mais gros malin. Bon, le type est en bas, hop. C'est toi que je devais parler. Si vous passez par le marché, j'y vends des spécialités de Morrowind. Ah ouais, t'es un drôle de nom pour un elfe noir. Branchy, ça fait plus argonien. Je suis né elfe noir, mais des argoniens m'ont élevé. Ah ouais, c'est bien pour ce que je me disais. Pour des raisons que j'essaie encore de découvrir, je me suis retrouvé orphelin et recueilli par une gentille famille argonienne du Marais Noir. J'espère découvrir un jour ce qui m'est arrivé, savoir comment je suis arrivé là. Vous n'avez aucun indice sur votre passé. Juste un. Je sais que lorsque mon père Argonia m'a trouvé, j'étais enveloppé dans une couverture portant le symbole de la maison d'Elvenir. C'était l'une des grandes maisons de Morrowind, il y a longtemps. Bien trop de risques. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'en suis issu. Si vous trouviez quoi que ce soit qui puisse me fournir une réponse lors de vos voyages, je vous en serais reconnaissant. D'accord, j'ouvrirai l'œil. Merci. Donc, je me trompe peut-être. En fait, c'est peut-être lui qu'il faut que je trouve auprès d'un bateau. Trouver un indice sur Branchy. J'ai peut-être dans mon journal de quête. Tout ce que vous trouverez sera... Voilà, journal de quête. Le déchu. Ouais, ça je vais le faire, le déchu. Sous-mortal, je vais pas faire. Vision nocturne, ça j'ai l'intention d'aller le faire dans pas très longtemps. Conspiration des parjours, on s'en fiche. Trouver un indice concernant le passé de Branchy. Ça je vais faire. Alors la pointe d'Arcovent, j'ai déjà été pour trouver. Je sais pas pourquoi il y reste. Genassa, ça je vais l'enlever. J'ai amené une armure. Une écaille de dragon à Esbern, il sera pas bonne chance. Branchy, il faut que je te vole. Donc, hop, maintenant que tu me vois plus, je vais te prendre ton grenat. Voilà. Bon. Salut, le garde. Tu m'as pas vu? Bon, voilà, les petites quêtes pour les voleurs sont faites. J'ai récupéré en plus une petite quête, celle de Branchy. C'est pas mal, l'entrée. Défense de glandouiller. Allez, mais. Pousse-toi. Je sais même pas où est l'entrée de ta prison là. Je t'ai jamais vu ici. Rut. Pas de garde. Une bourse, deux bourses. 5 et 16 pièces d'or. Des soins et des chiens. Oula, c'est qui toussait là? Là il y a une autre bourse. Des armes. Ah oh, tiens, voilà. La main de fer, gemme inférieure. Et une autre gemme là-bas. Gemme insignifiante. Coffre de preuve, il est vide. D'accord. Dans la commode, il doit y avoir rien d'intéressant. Là, il y a art de sang. C'est génial. Il y a pas une autre bourse qui traîne. Nouvelle menace, chronologie, assiette, déchéance. Salut, le garde. Si je retrouve votre main dans ma poche, je la coupe. Waouh, ça c'est de la menace. Bon, c'est par où qu'on sort? Faut remonter encore. Je me demande comment se sentent les Talmors après la leçon. Ah ben, j'ai trouvé la sortie. Je tourne partout depuis demi-heure et... Bon ben, j'ai récupéré une trentaine de pièces d'or. Bien. Ben maintenant, ben, je vais continuer ce que je disais. Je vais aller chercher à contacter la confrérie noire. Pour obtenir la dernière pierre de Berenzia, puisque j'en ai 23 sur 24, je veux savoir ce que apporte le fait de terminer cette quête. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs installé un mode qui me permet de repérer les fragments, les pierres. C'est pas des fragments, c'est des pierres. Un peu long le téléchargement là. Ah, c'est bon. Fini. Bon, et donc, comme je le disais, j'ai terminé les petites quêtes de voleurs, et je vais me rendre journal... la fin de l'innocence. Affiché sur la carte. Merci. Et donc, je retourne
à Vendôme pour retrouver le petit Aventus Aretino. Ah, ben, ouais, je crois que c'est ça son nom. Bien! Donc, me voilà de nuit à Vendôme. Comme elle est là, elle a, j'en profite. Hein. S'il donne l'invisible, je vais piquer son crochet, tiens. Hein? C'était pas important à prendre, mais bon, je pensais qu'elle avait ses 500 pièces d'or. Je crois qu'il habite par là. Oui, c'est dans cette demeure là, sinon. C'est bien ça. Résidence à Aretino. Non, voilà, et donc je vais lui dire que Grelod la Douce, hein, qui était pas très si douce que ça, hein, c'était. Alors, Grelod la Douce, est-ce qu'elle est. Vous savez? Oui, oui, j'ai trucidé. Je savais que vous le feriez! Je le savais! Je savais que la confrérie noire allait venir à mon secours! Tenez, comme promis, vous devriez en tirer un bon prix. Merci. Merci encore! Qu'est-ce qu'il me donne? Voilà, j'ai terminé la fin de l'innocence. Et je sais pas trop ce qu'il m'a donné. Héritage de la famille Aretino. Et toi, si tu pouvais arrêter de parler à chaque fois que je parle à quelqu'un, tu m'as fait le même coup en prison et. Là, tu refais pareil, faudrait arrêter un peu. La Reine Louve, volume 7? Je sais même pas si je l'ai. Enfin, bref. Héritage de Aretino, là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Non, c'est quoi qui m'a donné le gosse, sans déconner? D, E, F, G, H. Oh, c'est tout ce que je porte? Ah, mais non, c'est ses favoris. Allez, je porte beaucoup plus de bordel. Alors, héritage, AVC, allez, dépêchons un peu. F, G, et H. Héritage de la famille Aretino. Super. Il m'a donné une assiette. Youpi. Youpi. Youpi, j'ai gagné une assiette. Je suis trop content. Enfin bref. Ça, il fallait de toute façon que je revienne ici pour que le gamin. Enfin, que la confrérie noire s'intéresse vraiment à moi. Donc, maintenant que j'ai terminé cela, je vais aller. Qu'est-ce que je dois faire ici? Obtenez l'aide des Grisbarbes pour négocier une trêve. J'ai déjà fait ça. J'ai pas fait ça. Je vais faire ça. Je vais me déplacer vite là. Je vais obtenir la trêve. Pas possible ça. J'ai déjà fait ça. Me semblait. C'est génial, on les entend alors qu'ils doivent être de l'autre côté du bâtiment. J'ai déjà obtenu la trêve de leur part. Eux, ils m'ont dit que c'était bon. T'es où? Ben ouais, je me suis allongé et tout à côté de lui là. Là-bas, j'en vois un. T'es qui? Dovahkiin. D'accord. Tu connais le don de l'enfant de dragon. Hop là. Pardon, mieux. C'est des sorties, ça? Non, c'est des fenêtres. Bon, il est où le petit vieux? Ah, là-bas. Allez, vite. Bourri. Ouais, c'est pas toi. Les gens disent que Bord de Ciel est la province la plus dangereuse de Tamriel. C'est n'importe quoi. Ah, là, c'est... Je n'ai rien vu de plus beau, et je suis fier de m'y sentir chez moi. La salle du conseil, elle est là. Bon, et mes petits vieux, mes autres petits vieux, ils sont où? Qu'est-ce que c'est tout ça ici? Allez, allez, allez. As, Yannir! Hop, personne. Là, il y en a un deuxième. Ah, bah, il est là, Angier. Celui qui a la flèche sur la tête. Mais je t'ai croisé et je t'ai pas vu. Que le vent vous guide. On va partir à la lune. Pourquoi c'est écrit dans la langue des dragons? Parlez-moi. Qu'est-ce que l'art?
Vous êtes prêt à accueillir le conseil de paix? Délivrez le message à chacun des camps. S'ils acceptent de nous écouter, je ferai le nécessaire pour trouver un accord. D'accord, en fait c'est juste un petit bug. Je me suis fait avoir par un petit bug. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai pas perdu trop de temps. Oh oh. Attends, hein. Non, je vais juste voir. Par contre, je sais qu'il y a un truc de trésor. Non, c'est pas là. Hein. Je me demandais une carte au trésor. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était inventaire. Je sais que j'ai une carte au trésor. C'est pas là, donc c'est là. Carte à trésor 7. Donc, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit là, non. Je sais pas du tout ce que c'est ce château là. Avec une sorte de chaîne autour. Bizarre. Hein. Oh, blast. Bon. Bref, donc je vais me rendre à Fall Creek pour découvrir un petit peu la région et surtout pour terminer la quête de mausolée de crépuscule ainsi que aller à la crête de Tranche-Lame. Donc on va à Fall Creek en se déplaçant rapidement. J'aurais pu aller ailleurs pour rencontrer un dragon, mais tant pis, une autre fois.